que sa volonté, sa volonté. Quelquefois, sa volonté, les contraires à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi, moi, je désire que sa volonté. J'aimerais que nous puissions donner une acclamation due à Dieu. Acclamons pour Dieu, acclamons. Na kota la cero, na kota.
bénissons ton nom. Nous te disons énormément merci pour cette matinée. Seigneur, parle-nous ce matin. Permets que nous puissions annoncer ta parole avec assurance. Fais qu'il y ait des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges. Permets que dans nos cœurs il y ait la foi. Afin que nous puissions recevoir facilement ta parole. Et que cela puisse avoir de l'impact dans nos vies. Seigneur, permets qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui. Un avant qui veut dire il y avait des douleurs. Un avant qui veut dire il y avait des problèmes. Et un après qui veut dire il y aura un changement. Au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur, je prie, laisse que l'esprit de la révélation, l'esprit de sagesse et de connaissance navigue en ces lieux. Cher Saint-Esprit, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir ce qui est caché. Cher Saint-Esprit, ouvre nos oreilles afin que nous puissions entendre ce que l'humain n'a pas entendu. Cher Saint-Esprit, révèle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie et je demande. Je prie et je déclare. Je prie et j'ordonne que toutes sortes de chaînes qui enchaînaient, qui bloquaient la vie de certains d'entre nous, que cela tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Laisse que tout esprit ce matin se soumette et quitta. Se soumettre à ta parole au nom de Jésus-Christ. Aucune résistance, aucune lourdeur au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la vie soit en nous afin que la mort prématurée soit annulée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin je prie et je déclare que la mort prématurée n'a pas de place dans nos familles cette année. Seigneur, ce matin je prie et je déclare, la mort prématurée n'a pas de place ici à l'église au nom de Jésus-Christ. La mort dans nos familles n'a pas de place, dans nos finances, dans nos affaires, dans nos vies professionnelles, la mort n'a pas de place. Ainsi je déclare la vie et cette vie en abondance. Seigneur, là où l'humain avait déclaré la mort, là où l'humain avait déclaré sécheresse, ce matin je prie et je déclare la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus. Ce matin, ce que tu pouvais faire avec effort, tu le feras dans toute facilité au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Au son de ma voix ce matin, toutes choses que tu faisais avec effort dans ta vie, dans n'importe quel domaine de ta vie, ce matin que tu le fasses avec facilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Dieu? Nous acclamons pour Dieu et je prends ta Bible. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et nous allons faire une déclaration. Ta Bible peut être par téléphone, par iPad. Bible le recours à la téléphone, tu peux iPad. Ou bien dans un tablette, tu prends ta Bible, tu l'élèves avec moi.
Nous déclarons tous ensemble, ça c'est ma Bible. Ça c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je déclare ce qu'elle dit que je déclare. Je déclare ce qu'elle dit que je déclare. Je préfère ce qu'elle dit que je préfère. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais faire ce qu'elle dit que je dois faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je dois faire. Ce matin. Ce matin, mon cœur. Ce matin, ma famille. Ce matin, ma maison. Sera une terre fertile. Et je produirai des fruits au centuple. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je déclare. À travers cette parole, il y aura un changement. Ce matin, je déclare. À travers cette parole, Il y aura une transformation. Là où il y avait malheur, à travers cette parole, ça sera transformé en bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait chômage, ce matin, à travers cette parole, ça sera transformé en travail. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait sécheresse, ce matin, à travers cette parole. Il y aura transformation. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que cela soit ainsi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Nous lui disons énormément merci pour ce qu'il a fait pour nous. La plupart d'entre nous étaient ici depuis dimanche. Dimanche, mardi et jeudi. Et même hier au culte charismatique. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous disons merci à Dieu pour nous avoir protégés. Notre Dieu est tellement merveilleux. À des moments qu'il nous donne ce dont nous n'avons pas demandé. Et c'est une raison pour laquelle ce matin, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Et j'aimerais aussi dire merci à notre papa, l'évêque Jibaya Mapia, de nous avoir accordé le moment de parler de la part du Seigneur ce matin. Et à chacun d'entre nous, j'aimerais nous rassurer que tu es en train de briller et tu es en train de briller. Briller. Tu es en train de briller. Et ce matin, cet éclat va changer de dimension. Je le déclare et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Le thème de ce matin, je vais tout simplement parler de l'importance de la prière. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin l'importance de la prière. Encore une fois, disons l'importance de la prière. Vous savez pourquoi je parle de l'importance de la prière ce matin? C'est parce qu'à des moments, en tant que chrétien, nous pensons que la prière devient juste un fait normal ou bien un fait au hasard. Il y a beaucoup plus d'entre nous, lorsqu'on parle de la prière, à des moments, on va même en prière sans objectif. Et il y a certains d'entre nous, lorsqu'on prie, nous ne savons même pas pourquoi nous prions. Il y a certains d'entre nous, lorsque nous prions, nous prenons cela comme étant un passe-temps. Mais j'aimerais nous dire ce matin que la prière n'est pas un passe-temps. La prière a des bénéfices et la prière est importante. Avec ce thème, nous allons lire un passage. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 12, versets 1 à 5 et versets 10 à 15. Actes 12, 1 à 5.
et puis 10 à 15. Nous lisons Acte, la parole de Dieu. Chapitre 12, versets 1 à 5. À cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde des quatre escouades, des quatre soldats chacune. Il avait l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Versets 10 à 15. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit : Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée et une servante appelée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre s'éteignait devant la porte. Il lui dit « Tu es folle !» Mais elle soutenait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Amen. Amen. J'étais en train de dire que notre thème ce matin, c'est l'importance de la prière. Avec le passage que nous venons de lire, nous venons de comprendre que nous sommes dans le livre des Actes. Vous savez, à chaque fois nous disons Actes des apôtres, mais lorsque nous lisons ces livres, nous pouvons comprendre que normalement on ne va pas appeler ces livres Actes des apôtres. Nous pouvons appeler ces livres l'acte ou bien les actes du Saint-Esprit donc, à travers les apôtres. Dans cette histoire, dans le livre de Actes chapitre 12, nous voyons qu'il s'agit de plusieurs personnages. En général, il s'agit des chrétiens et en particulier, il s'agit de trois personnages principaux. Nous avons le roi Hérode, nous avons Jacques, et puis nous avons Pierre. Il y a une situation désastreuse qui s'est passée pendant ces moments. Il y avait persécution des chrétiens. Et j'imagine en son temps, certaines personnes n'avaient pas le courage de sortir, aller dehors pour dire que je suis chrétien. À cause de la persécution. Mais malgré cela, les chrétiens de cette époque-là, ils n'ont pas arrêté de faire leur travail. Pour mieux comprendre notre thème sur l'importance de la prière, pendant que j'étais en train de faire cette étude biblique, j'ai pu prendre quelques termes dans lesquels j'ai subdivisé en trois parties. La première partie, c'est plaire aux gens. Et la deuxième partie, c'est l'ouverture de la porte des fers. Et la troisième ou dernière partie, tu es folle. La première partie, plaire aux gens. Comme j'étais en train de le dire dans mon introduction, nous allons comprendre que le roi Hérode, il a tué Jacques. Mais lorsqu'il tue Jacques, il eut une réaction. Lorsqu'il a tué Jacques, le peuple était content. Et lorsque le peuple était content, Hérode a reçu cette information que l'acte qu'il avait posé avait plu au peuple. Et cela lui a poussé d'aller faire un autre acte.
Vous savez, pendant cette période, le pays traversait des moments difficiles. Le pays traversait des moments désastreux. En faisant cette étude biblique, théologiquement, j'ai essayé de comprendre ces passages de manière horizontale et de manière verticale. Dans la manière verticale, j'ai totalement compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez les chrétiens qui faisait à ce que le roi Hérode puisse le persécuter. Mais de la manière horizontale, lorsque je vais dans le chapitre 11, j'arrive à comprendre qu'il y avait une situation désastreuse qui s'est passée dans le pays. Et ici, il y a une chose qui m'étonne. Le roi, au lieu de chercher une solution pour le pays, lui, il va chercher un autre problème. Nous sommes dans notre premier point, plaire aux gens. Dans la vie, tu peux remarquer, tu peux observer, après une analyse, dans la famille, vous trouvez qu'il y a un grand problème en famille. Mais au lieu que le chef de la famille s'occupe de ces problèmes-là, lui, il va chercher un autre problème. Je vais donner un autre exemple. Voyons par exemple au travail. Vous allez comprendre qu'au travail, il peut y avoir de l'argent qui est en manque, il y a un déficit. Mais le chef, au lieu de s'occuper de ces problèmes-là, au lieu de chercher une solution, sa femme, par exemple, à la maison, lui dit que ton assistant, là, je ne l'aime pas, il faut le déloger. Alors, en ce moment-là, lui, pour plaire à sa femme, il vient créer le problème sur l'assistant. C'est ce qui se passe ici dans ces passages. Il y a un autre problème. Mais Hérode vient chercher un autre problème sur la vie d'une personne. Vous savez, tu peux chercher un problème à quelqu'un et cela te plaît. Tu reçois ce que tu cherchais. Mais le même problème que tu peux chercher à cette personne, si tu vas chez une autre personne, c'est là peut se tourner contre toi. C'est ce qui se passe ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Vous savez, dans la loi des priorités, je disais dans la loi de la priorité, il faut savoir mettre la première chose à la première place. Aujourd'hui dans ta vie, oui, c'est normal que tu aies des problèmes. C'est normal que tu es en train de souffrir. Et ces problèmes te montent à l'esprit, tu n'arrives même pas à dormir. Et puis, dans ta tête en tant qu'humain, tu penses faire des problèmes à une autre personne juste à cause de ton ego. J'aimerais te dire, en te trouvant dans ces cas-là, ce que tu peux faire aujourd'hui peut te donner des résultats que tu cherches. Mais sache que chaque personne n'est pas le même. J'aimerais parler à une personne ce matin. Peut-être tu es dans un lieu de travail. Dans ce travail, il y a des problèmes énormes. Au lieu qu'on se préoccupe de ces problèmes, vous allez vous retrouver que les gens te cherchent à toi des problèmes, toi qui n'as rien fait. Peut-être ce sont des choses qui arrivent souvent dans votre travail. À un point, ça a marché. Une personne est quittée du travail. Une personne, on l'a limogé. Et cela a plu au chef. Mais à ton tour, lorsque ça arrive, tu commences à avoir peur. Mais j'aimerais te dire ce matin, ce qui est arrivé à une autre personne ne t'arrivera pas si et seulement tu pries. Vous allez voir Jacques dans son cas. Il a été arrêté. L'église n'a pas prié, on l'a tué. Mais pour Pierre,
Il y avait une différence. Pour Pierre, le cas était devenu différent. Tu veux vivre la différence dans le même problème qu'a traversé ton frère ou ta soeur, que ce soit au travail ou à l'église. C'est simple. Prie. L'importance de la prière, c'est quoi? La prière fait à ce que tu puisses vivre la différence dans le même problème qu'a traversé une autre personne. J'aimerais t'exhorter ce matin. N'aie pas peur. Ne crains rien. Crois seulement que si tu pries, il y aura une solution. Ici, dans la prière, nous arrivons à comprendre que ce n'est pas seulement une prière individuelle, mais on parle d'une prière en unité, une prière d'ensemble. À des moments, nous pouvons voir dans une famille, il y a un pilier de la famille. Lorsqu'il traverse ou lorsqu'elle traverse des problèmes, souvent tout le monde l'isole. Tout le monde les laisse de côté. On le laisse prier pour lui-même. Et j'aimerais nous dire, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Si tu connais que dans ta famille, il y a une personne qui aide souvent les autres, il y a une personne qui représente un pilier dans la famille, à des moments, il faut se mettre ensemble pour prier pour lui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la prière dans ensemble a une grande efficacité. Plaire aux gens. Vous savez, un jour, je me rappelle lorsque j'étais encore à l'école secondaire, il y avait un professeur. Lorsqu'il y avait une petite réunion des parents et des élèves, qui devaient se rencontrer avec le professeur, un samedi, il y avait un parent qui est venu. Elle était en train de parler, c'était une maman. Elle parlait. Elle a dit plusieurs choses. Et l'enseignant qui était là, qui était conseiller, il s'élève. Il commence à engueuler tous les élèves qu'il voyait devant eux, juste pour que la maman se sente bien et voir que le conseiller est en train de faire son travail. Et pendant qu'il était en train d'engueuler tout le monde, le conseiller m'a vu. Il m'a regardé. Il m'appelle par mon nom. Et il me dit une chose. Toi, yo, tu ne vas jamais aller à l'université. Toi, yo, tu ne vas jamais faire des grandes études. Tu n'es pas intelligent. Et puis il rentre. Il était très fier de lui. Et les gens qui étaient là étaient en train de lui congratuler. Ils étaient en train de lui dire que tu fais très bien ton travail. Mais ce qu'il avait fait avait blessé mon cœur. Et je commençais à me voir en tant qu'une personne très inférieure en termes d'études et intelligence. Mais après, comme en famille, nous avons toujours le temps de prier ensemble. Notre papa prenait toujours du temps pour que nous puissions prier en déclarant sur nos intelligences. C'est ce qu'on avait déclaré sur moi à l'extérieur n'avait plus d'effet à cause d'une prière faite ensemble en famille. Cette personne qui travaillait pour plaire aux autres, cette personne qui marchait en travaillant, en faisant mal son travail pour plaire aux autres, en cherchant des problèmes dans la vie des gens, n'a pas vu le résultat. Pourquoi? À cause de la prière d'ensemble. La prière d'ensemble change des décisions surnaturelles. Dans ces passages, vous allez voir Hérode, une personne très orgueilleuse, une personne qui tue, une personne qui abat.
Une personne qui humilie juste pour bien se sentir. Mais le cas de Jacques n'a pas été le même cas pour Pierre. Pour Pierre, Pierre, on l'arrête. On le met en prison. Et il y a une chose merveilleuse qui s'est passée. C'est que j'aime bien. On met Pierre dans une prison où il y avait une porte de fer. Ces portes de fer étaient très bien fermées. En d'autres termes, cette porte était verrouillée. C'est par là que nous allons parler de notre deuxième point. L'ouverture de porte de fer. C'est quoi le porte de fer? Le porte de fer, c'est cette porte-là dont juste un groupe de personnes a la clé. Le porte de fer est une porte qui met les gens en prison. Le porte de fer, c'est une porte qui bloque la vision d'une personne. Au lieu qu'une personne voie loin, la porte de fer va limiter sa vision. Et qu'est-ce qui représente la porte de fer dans ta vie? La porte de fer représente toutes sortes de circonstances qui te met dans des limitations. Aujourd'hui, tu peux te poser une question de savoir où je suis limité. Mais j'aimerais te dire, la limitation, c'est quoi? C'est un événement ou bien c'est un élément qui fait à ce que tu ne puisses pas aller au-delà. Il y a certaines personnes en famille, vous allez voir dans toutes les générations, les femmes ne se marient jamais. Il y a certaines personnes dans leur famille, si les femmes se marient, ils ne vont jamais donner naissance. C'est ça une limitation. Il y a certaines familles, lorsqu'une personne étudie et va au-delà dans ses études, en fin de compte, la personne peut devenir folle. La limitation. Il y a dans certaines familles, les gens ne vont jamais à l'université. Il y a dans certaines familles, les gens n'obtiennent jamais un tel montant de salaire précis. Il y a dans certaines familles, tout le monde doit toujours tourner en rond. Il y a dans certaines familles, les gens ne quittent jamais une ville. C'est ça la limitation. Une porte de fer. Une porte de fer, c'est une porte qui a été verrouillée par un humain qui se pense être capable de bloquer toute une génération. Et Hérode, lorsqu'il bloquait cette porte, c'était un message indirect à d'autres chrétiens. J'ai tué Jacques. Le prochain, c'est celui qui se trouve en prison. Et c'est un autre message pour dire qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre après Pierre. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce matin dans ta vie. Il y a une personne dans votre famille qui est dans le même aspect que toi, mais qui a échoué. D'autres personnes sont passées dans les mêmes aspects. Il n'y a jamais de réussite. Et à ton tour, la même malédiction te fait face. Mais laisse-moi te dire ce matin, comme Pierre devant cette porte de fer, elle va s'ouvrir de soi. J'aime ce qui est écrit dans ce passage. La Bible ne dit pas, et un militaire ou bien un soldat a ouvert cette porte. Remarquons bien dans cette prison, on a dit qu'il y avait
de la sécurité en quatre étapes. Cela veut dire, dans cette sécurité-là, il y avait tellement plein de militaires que lorsque si un dort, il y a d'autres qui resteront éveillés. Ce que j'aime avec cette porte, cette porte s'ouvre la nuit. La nuit représente un moment où les militaires sont éveillés plus que jamais. La nuit représente un moment où un militaire n'hésite pas s'il faut tirer. Mais c'est en ce moment-là que Dieu a choisi de libérer Pierre. J'aimerais nous dire ce matin l'importance de la prière et que la prière peut ouvrir des portes qui a été fermée pour toute une génération. L'importance de la prière, la prière peut faire franchir une personne des limitations qui étaient placées dans sa famille. Je ne sais pas quelles sont les limitations que tu expérimentes dans ta famille aujourd'hui. Quelles sortes de problèmes que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu te retrouves bloqué. Tu cherches le travail. Tu cherches de l'emploi, tu n'arrives pas à l'avoir. Tu as marché de bureau en bureau, il n'y a pas de solution. Il y a une porte de fer qui est bloquée devant toi. Et j'aimerais nous dire ce matin, lorsque tu te retrouves devant cette limitation, lorsque tu te retrouves devant cette porte de fer, c'est en ce moment-là que tu dois faire appel à la prière. La prière est une clé qui ouvre toutes les portes. La prière est une clé qui déverrouille une porte qui était fermée à toutes les générations. La prière est une clé qui vient donner une solution où, là où l'humain pensait que c'était impossible. Pierre qui était arrêté, la garde qui était là, Hérode qui était là, il se disait, pour que Pierre sorte de la prison, la décision doit venir de moi. Même le militaire aussi pouvait dire, Pierre est en prison. Bien sûr que c'est Hérode qui a dit qu'on le mette en prison. Mais même si Hérode ne parle pas, si on veut libérer Pierre, la décision peut aussi venir de nous. C'est comme aujourd'hui dans ta vie. Il y a une personne qui a pris de l'audace afin de dire que ta vie est entre ses mains. Dans le travail, il y a certaines personnes qui ont eu du courage de dire qu'ils obtiennent la décision pour la prochaine étape dans ta vie. J'aimerais te dire ce matin, tu te retrouves dans ce genre de situation. N'aie pas peur. Prie. La prière fait changer des décisions. La prière peut venir prendre la décision qui était dans la bouche d'un humain afin de le donner à la personne à qui on s'est moqué. La prière est une clé qui change les attentes de tes ennemis en déception. Hérode, il s'attendait à plaire aux gens. Hérode, il bloque Pierre. Ses attentes et que Pierre doit rester pendant longtemps tant que lui il dit. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église s'est mise en prière. L'importance de la prière. Tu veux vivre le réveil dans ta famille. Une question, ce n'est pas si tu pries, non, mais est-ce que vous priez en famille ensemble? La prière d'ensemble brise des limitations générationnelles. Et quoi ça? La prière d'ensemble brise des limitations de tout un pays. La prière d'ensemble apporte de l'expérience
excellence afin qu'il y ait un témoignage dans la vie d'une personne. Une porte de fer. Dont la clé se trouvait entre un humain. Mais l'église a prié. L'église est bondée là qui. Et la Bible dit, lorsque l'église priait, et il lui inouit, Pierre dormait. Subitement, un ange lui a réveillé. Et il lui dit, lève-toi. Pierre, il dit, il pensait, c'est comme s'il était dans une vision. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, lorsque ta famille se met en prière pour toi, lorsque l'église se met en prière pour toi, la chose est qu'elle active l'activité angélique pour ta vie. La prière met les anges en mouvement en ta faveur. La prière fait à ce que les anges descendent vers toi afin de te donner la solution que tu cherchais. La prière te donne une clé passe-partout. La prière peut ouvrir une porte qu'un humain ne peut jamais ouvrir. La prière te donne la clé exacte qui ne ratera jamais lorsque tu l'appliques. Une question ce matin. Est-ce que tu as des liens dans ta famille? Oui. Alors une autre question. Est-ce que vous priez ensemble en famille? Une porte de fer. Pendant la nuit, l'ange arrive. Moi j'allais. Il parle à Pierre. Alobeli Petelo. Et Pierre s'élève. Petelo Télémi. L'ange la porte jusqu'à la porte. Moi j'habille c'est qui non peine écouter. Et ce qui m'étonne ici est que tous les militaires étaient en sommeil. On a cependant vu que Basenge l'union sur Badraki Akolala. Cela veut dire. Ici nous voyons l'importance de la prière. Ah tout le monde est le sambo. Et que la prière. Était le sambo. Vient frapper de sommeil la personne qui pensait avoir une décision dans ta vie. Et y a qu'à couper sa pongi na moto kanisa qui vient d'être dans le bocal na la prière. Le sambo. Aveugle les gens qui se considèrent comme étant ton ennemi pour te stopper. Et quoi ça capte au babi comme si le roi la bangoula ne peut battre les missiles. La prière le sambo, te donne accès là où on disait que tu ne devais jamais avoir accès. Pierre sort. Pierre sort. Il sort de la prison. Et lorsqu'il sort, il rentre là où il y avait tous les chrétiens. Arrivé là où il y avait tout le monde, Pierre frappe à la porte. Et il y a une fille qui vient répondre. Il y a une fille qui vient répondre. Et la fille entend la voix de Pierre. Elle va donner la nouvelle à ceux qui étaient à l'intérieur de la salle. Il dit, venez voir, Pierre est libéré. Et c'est la réponse que j'aime. On dit à la fille, tu es folle. Qu'est-ce que ceci veut dire? Que lorsque tu te mets en prière, la prière te donne des solutions qu'un humain peut penser être folle. Quand on dit tu es folle, qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas au-delà des choses qui sont normales. La prière, lorsque tu pries, il y aura des solutions qui vont arriver dans ta vie que les humains, le fait juste d'entendre, ils vont penser que tu es devenu folle. Le dernier point, tu es folle. J'aimerais dire à une personne ce matin, ce que tu traverses, tu ne vas pas rester dans cette situation. La circonstance où tu te trouves, tu n'es pas appelé à rester là. C'est juste un point mort. Mais toi, tu dois avancer. Mais pour avancer, tu as besoin de la prière. La prière nous fait avancer. La prière nous donne la force d'avancer. La prière nous amène au-delà des limites. La prière nous donne des solutions.
conditions que les humains ne peuvent jamais s'imaginer. Je sais que tu es ici. Tu cherches des solutions à tes problèmes. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Les gens se moquent de toi. On a déjà mis un point dans ta vie. Mais j'aimerais te dire, un humain n'a pas un droit de mettre un point dans ta vie. Un humain ne peut pas mettre une virgule dans ta vie. Mais il arrive à des moments que Dieu peut laisser un humain venir mettre un point dans ta vie afin que Dieu puisse recommencer ta vie avec une phrase qui commence par une lettre majuscule. Je déclare ce matin que là où on avait mis un point, qu'il y ait un nouveau commencement. Je déclare ce matin que là où on avait mis une virgule, qu'il y ait une séparation entre ce qui est avant et ce qui viendra après. La prière vient mettre une séparation qui était avant et ce qui viendra après. La prière vient mettre une différence dans la vie d'une personne afin qu'on parle d'un avant et puis qu'on parle d'un après. Hérode pouvait tuer Jacques, mais Dieu a laissé que Hérode commence à mettre un point dans la vie des chrétiens afin que Dieu recommence une histoire pour les chrétiens. La prière fait à ce que la décision d'un humain puisse se transformer en malaise. Ce matin, j'aimerais te dire, sûrement il y a une personne qui te hait. Il y a une personne qui a mis un point dans ta vie. Il a mis une décision. N'aie pas peur. Prie. La prière, lorsqu'elle donne des décisions, lorsqu'elle te donne des solutions, une fois que les gens entendent cela, dans ton témoignage, les gens ne vont pas croire. Ils ne vont pas croire pourquoi? À cause de ce qui est arrivé à une autre personne. La prière vient changer l'expérience des humains. La prière vient changer la perspective des humains sur le même cas. Dans le même cas, l'autre l'a chassé du travail. Dans le même cas, tout le monde ne s'est jamais marié. On a mis un point par un sorcier. On a mis un point par un magicien. On a mis un point par une personne qui ne t'aime pas. Et il a dit que c'est fini. Et laisse-moi te dire, là où l'homme a dit que c'est fini, l'éternel Dieu des armées peut commencer. La Bible dit ceci: là où l'intelligence de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. L'intelligence de Pierre s'était arrêtée. L'intelligence des chrétiens s'était arrêtée. Alors ils se sont mis en prière. La prière veut dire: je crois que dans mon propre intelligence, je ne peux plus rien faire. Alors je dois laisser à une intelligence divine d'agir. La prière, c'est le fait de croire et de se mettre en action afin que le divin puisse atterrir. La prière rend ta vie une piste d'atterrissage angélique. La prière rend ta vie un témoignage. Sur Pierre, les gens commençaient à témoigner. À Jacques, il est mort. Mais pour Pierre, il n'est pas mort. Laisse-moi te dire ceci: dans la même situation, dans le même cas où l'autre a sombré, toi tu ne sombreras pas, car tu sers l'Éternel des armées. L'importance de la prière. La prière, rien que la prière. J'exhorte une personne ce matin d'être une personne qui prie. Dans ta prière, mon Dieu,
Aie une vie de prière en quantité et aie une vie de prière en qualité. La vie de prière en quantité, c'est quoi? C'est le fait de passer de longs moments en prière en un jour. La vie de prière en qualité, c'est quoi? C'est le fait de prier de la même manière mais d'une manière régulière. Un Thessalonicien dit ceci: prier sans cesse. C'est cela veut dire, tant que ça n'a pas changé, tant que je n'ai pas vu ce que je cherchais, je vais prier. Anne, on s'est moqué d'elle. Tant qu'elle n'avait pas d'enfant, elle continuait à prier. Moïse, intercédait pendant la guerre. Tant que la victoire n'était pas là, il continuait à prier. La prière nous donne la victoire sur l'ennemi. La prière nous apporte des solutions que l'ennemi ne pouvait jamais penser. La prière change l'histoire d'une famille. La prière change l'histoire d'une avenir. La prière change l'histoire d'un quartier. La prière change l'histoire d'une église. Je peux donner un témoignage. Nous, à l'EPES, on n'a pas commencé ici à Rigiri. Si vous regardez des photos de l'EPES, 30 ans passés, 30 ans, il est qui? Vous allez voir que c'était clôturé des rameaux avec des chaises en bois. Il n'y avait pas plus de 30 personnes. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église prier. La prière fait à ce que tu puisses avoir des résultats croissants. En ce moment-là, si notre papa parlait pour dire je me vois un jour dans cette église être rempli de 500 personnes, les gens pouvaient lui regarder et lui dire que tu es fou. C'est ce qui se passe ici. La fille vient dire ce qui se passe. Notre papa dans le passé, ils l'ont parlé déjà. Les gens pouvaient penser qu'il est fou. Mais comme il priait, ce que les gens pensaient être fou, Dieu l'a rendu capable. La prière change la phrase dans la bouche de tes ennemis. Hérode pouvait dire que Pierre va mourir. Mais comme l'église priait, Hérode a vu que Pierre n'était pas mort et Pierre est sorti de la prison. La fille répond: tu es folle. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu es hors de ta tête. J'aimerais poser une question à quelqu'un ce matin. Quel est ce salaire? Quel est ce montant d'argent que les gens ont dit que tu ne vas jamais atteindre? Quel est ce travail que les gens peuvent dire que si tu dis que tu vas la voir, tu es fou? J'aime ce passage en anglais. En anglais, on dit you are out of your mind. Tu es hors de ta tête. La prière nous donne des résultats qui viennent hors de notre tête. J'aimerais dire à une personne ce matin: prie et tu auras des résultats qui n'est pas dans ta tête mais qui est dans l'éternel Dieu des armées. Ce matin, je décrète et je déclare des solutions que tu n'as jamais eu dans ta tête, que la prière te les donne. La prière te donne ce que l'œil n'a point vu, te donne ce que l'oreille n'a point entendu. L'importance de la prière, la prière vient changer ton histoire. Quelle était ton histoire avant ce culte? J'aimerais te dire, tu es à un bon endroit. Comme Pierre, l'église a prié. Et pour toi maintenant, je déclare au nom de Jésus que son histoire change. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, là où on avait dit que ça ne changera pas,
qui est un avant et qui est un après. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, à travers la prière, que tu sois délivré, que tu sortes de cette porte de fer, et les gens te regarderont. Ils vont dire que non, c'est faux. Peut-être je rêve. Non, ils ne vont pas rêver. Ça sera la réalité. La prière change des rêves en réalité. Oh mon Dieu, la prière fait atterrir les choses que Dieu avait planifiées pour toi dans l'éternité, dans le monde physique. La prière te rend une personne exceptionnelle. Pierre, avant, il pouvait penser qu'il était ordinaire. Pierre, avant, il pouvait penser qu'il était comme tout le monde. Mais pour que Dieu change la vision de Pierre sur sa propre personne, il a fallu que un Hérode arrête Pierre afin que Pierre comprenne qu'il n'est pas comme tout le monde. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Sûrement, tu te voyais comme madame tout le monde dans la famille. Mais Dieu a permis que tu traverses ce problème afin de changer ta vision sur ta personne. Je déclare au nom de Jésus, même si Hérode est là, Hérode ne stoppera pas le plan de Dieu dans ta vie. Je peux parler à une personne ce matin et je parle comme prophète. Hérode ne te fera rien. Il a fait du mal à l'autre. Mais à mon tour, faux poule. Je déclare au nom de Jésus, à mon tour, faux poule. Il a travaillé sur l'autre. Il a tué. Il est entré dans telle famille. Il a mangé. Il est venu à gauche. Il a semé la terre. Mais moi, je suis de la race de Pierre. Hérode. Quoi, une faux poule. Yes. Goliath est comme Hérode. Devant le peuple d'Israël, il pouvait toujours parler. Il pouvait parler avec orgueil. Le peuple fuyait. Mais avec David, la présence de David veut dire Goliath, au coin d'une faux poule. J'aimerais dire à une personne ce matin, laisse qu'il s'élève contre toi. N'aie pas peur. L'autre est mort. Mais à ton tour, tu vas t'élever et tu vas déclarer tout en disant que l'Éternel a dit à mon serviteur, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je transforme ton ennemi en marche-pied. Je déclare ce matin, ton histoire doit changer, mais elle ne peut pas changer sans que Hérode s'élève devant toi. Hérode est un roi, mais il s'élève devant un simple citoyen. Cela veut dire, quand quelqu'un s'élève contre toi et qu'il est supérieur à toi, cela est un message prophétique qui te dit que normalement tu dois être à cette place-là. Je déclare au nom de Jésus que celui qui te combat, que tu prennes sa place. Je déclare au nom de Jésus les limitations qui te combattaient, les limitations devant toi va céder au nom de Jésus Christ. Tu es folle. You are out of your mind. Cela veut dire il y a une solution qui est arrivée, mais on dit que cette solution ne peut pas sortir de la tête d'une personne. Cette solution ne peut pas sortir des mains d'une personne. Cette solution ne peut pas sortir de l'intelligence d'une personne. Cela veut dire, en d'autres termes, tu es comme David. David comprend que son secours ne vient pas de l'homme. Il s'élève devant le problème. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours
me vient hors de ma tête. Le secours me vient hors de mon cœur. Le secours me vient hors de ce pays. Le secours me vient hors des décisions humaines. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il ne me laissera pas sombrer. C'est lui qui siège, c'est lui qui contrôle sur Israël. Il ne meurt point et il ne sommeille point. Chaque est mort, mais à mon tour, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tant que je n'ai pas encore témoigné, tant que je n'ai pas encore raconté les merveilles de l'Éternel, cela veut dire, en d'autres termes, je ne peux pas mourir. Hérode, mets-moi en prison. Hérode, fais ce que tu veux. Mais sache que je ne suis pas entre les mains d'Hérode. Je ne suis pas entre les mains de la vallée de l'ombre de la mort. Mais je suis juste dans l'ombre d'Hérode. L'ombre d'Hérode ne peut pas me tuer. Hérode, viens dans ma famille. Mais sache que on couait une faux poule. Hérode, tu es parti à l'église à gauche. Tu es parti à l'église à droite. Mais sache que à l'épaisse, on couait une faux poule. Out of your mind. Ce sont des solutions qui ne viennent pas de ma tête, ni de ta tête, ni de la tête de qui que ce soit. Cette solution-là vient d'un endroit que le diable ne peut jamais arrêter. Cette solution-là vient d'un endroit que même si le diable devient mille fois diable, il ne peut jamais l'arrêter. Job a dit, je connais que tu peux tout et que rien n'était impossible. L'ange Gabriel a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Il y a d'autres solutions qui n'arrivaient pas parce que tu cherchais des solutions qui étaient dans ta tête. Or la Bible dit ceci, notre Dieu, il nous donne au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Au-delà de ce que tu penses, cela veut dire ce qui n'est pas dans ta tête. C'est normal que cette fille dise, tu es hors de ta tête. You are out of your mind. Je déclare ce matin ce qui n'est pas dans ta tête. La solution que tu n'as jamais pensée, la solution que tu n'as jamais vue, ni à gauche ni à droite, cela arrivera. Pourquoi? Parce que tu pries l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand Hérode, quand Goliath, quand Jézabel s'élève contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux-mêmes, mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et qui tombent. Cela veut dire, en d'autres termes, celui qui cherche ta mort, si tu pries, il y aura un retour à l'expéditeur. La prière fait donner à l'ennemi ce qu'il cherchait contre toi. Je déclare au nom de Jésus, c'est lui qui a maudit ta famille, c'est lui qui a maudit ta maison, ne va pas vivre et voir que cela s'accomplisse dans ta vie. Non, mais si il vit, cela veut dire Dieu me dit que il doit vivre et témoigner que sa décision n'est pas arrivée dans ma vie. Mais s'il ne doit pas vivre, cela veut dire la mort qu'il cherchait pour moi a fait retour à l'expéditeur avec double effet. Je déclare au nom de Jésus les limitations qu'on a déclarées contre toi
Retour à l'expéditeur. Avec double effet. You are out of your mind. Je suis hors de ma tête. Je vais témoigner que je deviendrai millionnaire. Les gens me regarderont. You are out of your mind. Je dirai oui. Je suis fou. Parce que je vois ce qui est hors de ma tête, ce que Dieu donne. Si ça n'étonne pas l'humain, cela veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Je déclare que ce que Dieu va te donner puisse étonner le monde. Ça étonne ta famille, ça étonne ta maison, ça étonne ta génération, ça étonne les humains, ça étonne la tête. Jusqu'à ce que les ennemis pensent que ils sont en train de rêver. Non, tu les diras. Tu ne rêves pas. Réveille-toi. Regarde la personne à qui tu as dit n'avancera pas. Est en train d'avancer. Que tes ennemis ne meurent pas. Jusqu'à ce que ils te voient faire les contraires de ce qu'ils ont voulu. Que tes ennemis ne meurent point jusqu'à ce qu'ils voient l'huile sur ta tête et que ta coupe déborde. Que tes ennemis ne meurent point jusqu'à ce qu'ils voient le miracle créatif. Tes ennemis ne meurent point jusqu'à ce qu'eux-mêmes vont te regarder. Ils vont témoigner. Ils vont dire, ça ce n'est pas Dieu. Oh, Asimbikisi, tu vas te lever, tu vas dire oui. On peut dire Asimbikisi. Il faut savoir que les marabouts peuvent me donner un succès pour 5 ans. Le féticheur peut me donner un fétiche pour 5 ans. Je me rappelle, en 2015, quand je suis venu ici pour la première fois, il y a eu certaines personnes, pas ici, à l'extérieur, lorsqu'ils ont appris ce que je faisais, ils ont dit, Topé, si est 5 ans, nous lui donnons 5 ans, Arokwea, il va tomber. J'ai regardé, Nathalie, j'ai dit à notre papa, notre papa m'a dit, papa, le Saint-Esprit est avec toi, avance. Cela veut dire, là où l'humain donne 5 ans, Dieu donne 1000 ans. Je déclare au nom de Jésus, là où on a dit que tu vas t'arrêter, tu ne t'arrêteras pas, car il y a l'huile sur ta tête. Une personne qui a l'huile sur sa tête ne peut jamais être stoppé. David avait l'huile sur sa tête. Même les lions ne pouvaient pas l'arrêter. David avait l'huile sur sa tête. Même les loups ne pouvaient pas l'arrêter. David avait l'huile sur sa tête. Raison pour laquelle Goliath, David, avec ses paroles, il a transformé un géant en un chien. Cela veut dire, si j'ai tué un lion, j'ai tué l'ours, et un chien, qu'est-ce que je vais le faire? Je vais l'abattre. Le problème avec toi, tu regardes ton ennemi et tu le traites de géant. Le moment est venu. Par la prière, transforme ces géants-là en un petit chien. Raison pour laquelle David n'a pas utilisé les armes de Saül, parce que les armes de Saül, on les utilise contre les hommes. David a utilisé une pierre, parce qu'avec une pierre, c'est pour tuer les animaux. Je déclare au nom de Jésus, ce matin, que ton ennemi soit comme un animal. Dans le livre de Genèse, il est écrit, Dieu, il a créé l'homme et il est béni. Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Je vous donne la domination. Cela veut dire, en d'autres termes, il y a certaines solutions que tu cherches.
cherches, Dieu te l'a déjà donné. Tu as la domination. Comme Jérémie, j'étais établi comme prophète sur les nations afin que tu abattes et que tu détruises, afin que tu crées et que tu consommes. Je déclare au nom de Jésus ce matin, aie la domination. Hérode est un roi. Cela veut dire il est élevé. Quand il devient contre toi, il te donne un message que Dieu fait t'élever. Le chef de ton travail, il est contre toi. C'est un message que tu dois être élevé. Toute la famille s'est levée contre toi. Tu es juste seul. Cela veut dire seul, tu es comme une multitude. Je déclare au nom de Jésus, là où tu ne pouvais pas arriver, que tu arrives de la prison, que tu sortes, que tu sortes, que tu sortes, que tu sortes. Si tu es d'accord avec ça, dis avec moi yes. Si tu es d'accord avec ça, dis avec moi yes. Si tu sors des blocages de Hérode, dis avec moi yes. Si tu sors des blocages de Goliath, dis avec moi yes. Des limitations sorcelleriques, si tu sors, dis avec moi yes. Je déclare au nom de Jésus, je prophétise en tant que prophète, sous l'onction de notre papa, reçois cela du Saint-Esprit. Ce matin, tu sors des limites, tu sors des blocages, tu sors des prisons. Au nom de Jésus, la Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Et c'est au nom de Jésus que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Hébreux 13:8. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire il a fait avec Pierre, il a fait avec Paul, il a fait avec David, il a fait avec Amos, il a fait avec Abraham. À mon tour, la Bible dit dans le livre de Jean que si vous croyez en moi, vous ferez comme moi, mais vous n'allez pas vous arrêter là. Il est écrit dans Psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'huile ne va pas être remplie, mais l'huile va déborder. Car en Christ, nous sommes appelés à faire plus. À faire plus. Là où on avait dit que tu feras moins, ce matin, je déclare, je prophétise que tu feras plus. Tu feras plus. Dis avec moi plus. Si encore une fois plus, si encore une fois plus, l'argent que tu n'avais jamais reçu, l'argent pour lequel on t'a humilié, je déclare ce matin que tu vas avoir plus. Je déclare que tu vas avoir plus. Là où on t'avait humilié, c'est le même endroit, là où on va te célébrer, là où on avait refusé de t'honorer, c'est le même endroit, on va t'appeler honorable. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives plus. Je déclare que tu reçoives plus. Que tu reçoives plus. Si tu es d'accord avec ça, dis avec moi yes. Si tu es d'accord avec moi, dis avec moi alléluia. Je déclare au nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint d'une onction sans limite. Là où il y avait des limitations, moi, j'ai une onction qui n'est pas limitée, car ma coupe déborde, elle ne s'arrête pas. Ma coupe déborde, elle ne s'arrête pas. Hier, quelqu'un a échoué. À mon tour, je vais m'élever. Je me lève. Je me mets au milieu de ma famille. Ma coupe déborde. Lorsqu'elle déborde,
Elle va de tous côtés. La coupe va dans mon passé. Elle change mon passé. La coupe va à gauche. Elle change la vie. La vie de mes frères. L'huile va à droite. Elle change la vie de mes soeurs. L'huile va devant moi. Elle me donne des victoires au combat que je n'ai pas jamais vu. Je déclare au nom de Jésus. Ce matin, Hérode a cherché ma mort, mais c'est Hérode qui est finalement mort. Je déclare que tes ennemis meurent. Que tes ennemis meurent. Celui qui a bloqué tes enfants meurt. Celui qui a bloqué ta maison meurt. Celui qui a bloqué notre église meurt. Au nom de Jésus, ils ont mangé. Les sorciers ont mangé. Les sorciers Bandoki ont mangé. Balier. Les sorciers Bandoki ont détruit. Babebisi. Les sorciers Bandoki ont détruit. Mais à mon tour, Kasnanga. Mon sang. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. J'aime bien ce qu'on dit à Kinshasa. Moi, mon sang, Makila Nangai, Eza Bololo, Bamme Kakangote, Nagoku Fate, je ne mourrai pas. On met la Makila Batunyoso, tu peux boire le sang de tout le monde. Mais moi, Naza Pierre, je suis Pierre, Naza Jacques T, je suis pas Jacques, Naï, moi, Naza Pierre, je suis Pierre, Naza Jacques T, je suis pas Jacques, Naï. Naza David, je suis David. Naza peuple mobimate, je ne suis pas de je peuple. Déclare, na tatoli. Je prophétise, na sakoli. Je déclare, na tatoli. Je prophétise, na sakoli. Ce matin, tu es comme l'aigle. On ne peut pas t'arrêter. Tu dois aller au-delà. Tu dois faire plus. Tu dois faire plus. Si notre papa était devenu député, j'aimerais te dire, toi, tu ne dois pas devenir député. Tu dois faire plus. Deviens président de la République. Je déclare, je prophétise, c'est fait. Que Dieu bénisse sa parole. Zebro Shakalabaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Karibaya. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ha! Acclame pour Dieu, acclame, acclame. Mettez pour l'ensemble, mettez pour l'ensemble. Acclame, acclame. Beta. Acclame, beta. Écoute ceci. Yoka. Reste juste debout. J'ai un témoignage. Béni, viens. Je vais vous donner un témoignage. Non, pas seulement l'état de l'imoko. Vous le voyez comme il est là. On s'est rencontré avec lui par hasard. Je parle de l'importance de la prière. Mardi, je venais de ma ferme. Et quand je sortais, je suis arrivé à Kingasani. Et j'ai voulu acheter d'autres boutures afin de faire des plantations encore. Et je suis arrivé à un endroit où lui est porteur. À Kingasani. Il était 12 heures. Il faisait très chaud. Et il a dit une phrase qui m'a fait. Il a dit, oh, Erbando, qui vraiment. C'est vraiment ça, c'est le temps des sorciers. Moi, je l'ai regardé, je dis, comment tu sais? Il dit, ah, ngana yebi. Ah, moi, je sais. Toi, tu ne vois pas. Tu n'es pas un homme spirituel. Dans mon cœur, je dis merci. Avançons maintenant. Je lui ai dit, je vais te montrer une chose que Dieu est vivant et que je sers Dieu. Je lui ai dit de là où il vient. Je dis que je vois que tu es de Bandundu. Il a pris cela comme des blagues. Il dit non. Habite Équateur. Je suis de l'Équateur. Je dis ok. Je vois dans le Bandundu. Tu étais là. Et quelqu'un dans ta famille, il était chef. Chef. Il dit non. Habite. C'est faux. Je lui ai dit. Bikanza. Il dit oh.
Oh, c'est le chef de notre localité. J'ai dit où? Il dit au Bandundu. J'ai dit ok. Oui, il me dit encore non. Habité. Tu es en train de le faire par hasard. Je lui donne deux noms. Je lui dis Joe et Papi. C'est Joe na Papi. Il recule. Azongi Sima. Il dit yo et Bingai. Mais toi tu me connais hein. Il dit c'est grand frère et petit frère. Nous avons continué. Dokobi. Après je lui ai dit Sima Nabisi. Dieu t'aime. Nzamba lingiyo. Je lui ai dit la raison pour laquelle il était à Kinshasa. Il a dit oui, c'est vrai. Et moi, j'ai pensé que c'est fini, je pars. Il me suit derrière, il me dit non, je suis dérangé. Donne-moi ton numéro. C'était mardi. Je lui donne mon numéro. Mercredi soir, il m'appelle. Il me dit je ne sais pas. Je suis dérangé. Ce que j'ai vécu. Non, je n'ai jamais vu ça. Au Priarawapi. Tu pries où? Je viendrai. Nakoya. Je lui ai donné l'adresse. N'a pas adresse. Hier samedi, il a quitté Kingasan. Alors où Kingasan? Jusqu'ici. Kino awa. Il est venu prier. À la fin, il me dit. Nasuka ibisinga. À la maison, m'a dit. Nanda kuba ibisinga. Ezaba toi kisi. Ils sont des gens de mort. Mais va voir. Kende kota. Si c'est vrai, solo. Nous viendrons. Tokoya. Et aujourd'hui, il est là. Lelo azaliawa. Qu'est-ce que je vais dire à une personne? Lorsque tu pries, tangozo bondela. Tu ne sais pas quand tu peux affronter quelque chose que le diable a prévu. À travers la prière, on a gagné une personne et toute une famille. Il n'habite pas à Lemba. Il vient de loin Kingasan. Je ne l'avais pas évangélisé. Juste quoi? Les effets d'une personne qui prie. Je déclare que tu produises des effets. Yes. Amen. 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 Hier, on était au culte charismatique. Le but de la culte charismatique.